Bon voilà, là je fais pas, voilà, là je viens de démarrer une vidéo. Bon, je suis pas en direct là sur Facebook. Je fais juste une petite micro vidéo que je chargerai après là sur le groupe, hein, la planète CB francophone. Bien sûr que l'AM n'est pas morte du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'en AM, la plupart des stations sont sur leur canal habituel. Ils y restent toute la journée, toute l'année, même s'ils ne prennent pas le micro. Et pour ce matin, toi, là, tu es le quatrième que j'ai en fréquence. Donc là, sur le 19 en plus. Le dernier que j'ai eu, c'était un mille pattes qui était coincé là sur la nacelle 89 à cause d'un accident qu'il y avait du côté de Harvard. Ok, donc là pour la petite vidéo, quel est ton QTH? Sur quel département tu es? Montguyon, Charente-Maritime, c'est bien ça? Ok, d'accord. Mais pour ma part, je suis à Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Donc là, comme quoi, même sur le 19 en AM, ça arrive à passer loin parce qu'il y a un bout de route là quand même. Hein. Ah oui. Et pour les conditions de trafic là de mon côté, bah, c'est un petit Yazu FT450 AT. Avec comme antenne une Mantova 8. Et toi, de ton côté, là, tu as quoi? Et moi qui m'attendais à ce que tu me dises du gros matériel, eh bien, ça marche bien. Hein. Ah oui, là, je suis étonné. Hein. Parce que vu la distance, vu le matériel que tu as me citer, oui, je m'attendais à du gros matériel, pas du tout à ce type de poste. Ok, d'accord, ben toi pour le coup là je laisse courir un peu la vidéo. Je verrai au niveau son là ce que ça va donner. Là s'il faut que je remonte un petit peu le son et tout. Non mais attends, et en plus le gag, c'est que j'ai la caméra là qui est posée là juste à côté de moi. J'ai eu la flemme de l'attraper, mais j'attrape le téléphone avec pour faire la même chose. Hachi! Quand le cerveau veut pas, surtout, c'est assez, surtout ça. Non, mais là, ouais, attends, là j'ai la tremblote un peu en plus. Ouais, je suis à 4 minutes, un peu plus de 4 minutes là. Et pour le coup, je laisse courir un peu la vidéo, quoi. Parce que c'est vrai que là, c'est une belle petite distance. Il doit y avoir un peu de propague hein, quand même qui doit donner la main. Parce que là quand même. Oh, quoique, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que quand quelqu'un est sur la rocade de Bordeaux. Là, j'arrive parfois à l'attraper. Tiens, par exemple, Doudou, qui est en mille pattes, quand il est du côté il était où une fois? Du côté de. Non, c'est pas Mérignac, c'est un peu plus bas. Enfin bon, bref, par là-bas, là, sur la rocade, il arrivait quand même à passer au QRA. Hein.
Ouais, bon là j'ai un léger, vraiment un léger QRM par rapport à d'habitude, hein. Mais c'est rien par rapport à ce que j'avais avant. Hein. Parce que là, c'est vrai que là, ça fait quoi? Ça fait quelques jours, hein, là, qu'ils ont installé là, le compteur Linky. Alors je commençais à m'arracher les cheveux. Je me suis dit, là, ça va être, ça va pas être possible. Je vais être obligé d'investir d'un bon filtre style MFJ, des trucs comme ça. Et là, le gros gag, le QRM permanent que j'avais avant, qui parfois montait à 5, eh bien, je l'ai plus, quoi. Bon, je ne vais pas crier victoire trop vite, mais depuis qu'ils m'ont mis cette saloperie de compteur Linky, il m'a bouffé les QRM, le con. Ah, chi. Ouais, mais bon, d'un autre côté, je suis assez avantagé quand même, puisque le compteur est quand même sur le bord de la route, et il doit y avoir quoi, 45 mètres, hein. Ouais, 45 mètres entre le compteur et le QRA. Bon, déjà, ça aide déjà quand même pas mal. Mais ce qui m'étonne, c'est cette suppression de QRM que j'ai d'un seul coup, depuis qu'ils ont mis le compteur. J'avoue que je comprends pas trop, quoi. J'aurais presque envie de dire que c'est pas dû à ça, mais à autre chose. Mais quoi, je vois pas, parce que le changement s'est fait en même temps, quoi. C'est bizarre. Par contre, évidemment, si j'enlève le filtre NB, alors là, ça mitraille à fond. Bah justement, toi là, puisque je suis en train de continuer à filmer. Ah, j'ai entendu gratouiller là derrière dans le lointain là. Puisque là je suis en train de continuer à filmer, justement là j'ai enlevé le filtre. On entend la mitraillette qui est là. Je l'ai remis, c'est bon, c'est propre. Mais je vois avant, même avec le filtre, le tout simple du poste, l'UNB, il m'arrivait d'avoir des QRM de 5. Hein. Puisque parfois sur le QSO national du canal 27, j'avais du mal à entendre qui que ce soit. Hein. Il fallait que je passe par le web SDR pour arriver à attraper quelque chose. Hein. Et là, bon là, je verrai bien. Hein. Normalement, vendredi soir, je devrais pouvoir faire le QSO là, du canal 27. Samedi soir, je sais pas. Ça va dépendre à quelle heure je vais rentrer du pro, car samedi, je vais sur Mérignac. Et je crois que je dois terminer ce coup-ci à 18h. Donc les bouchons, les joies de la circulation et tout, pour peu que le pont d'Aquitaine soit bloqué. Bon, pour le coup, j'ai pas l'air pour rentrer. Donc vendredi soir, je verrai bien ce que ça donne. Samedi soir, ben je sais pas, ce sera surprise. Dimanche matin, surprise aussi. Mais bon, déjà là, j'ai hâte d'être à vendredi soir, puisqu'en principe, c'est le moment où l'activité électrique est quand même pas mal le soir, pour voir ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, ça a l'air d'aller. 21h par là, j'ai pas encore testé. Ouais, voilà, c'est à voir ce que ça donne. Parce que là, je suis étonné. C'est vrai que là, je comprends plus trop. Là, ça défie tout ce que l'on entend là jusqu'à maintenant concernant ces compteurs. C'est bizarre. Je comprends pas trop, quoi. Ouais, c'est pas trop d'avis pour les gens.
Ok, bon du coup voilà, j'ai coupé le téléphone, j'ai repris sur sur la caméra. Et ouais, c'est bon. Voilà. Comme ça là, je vais quand même faire, parce que là on est bien parti. Bon, en fait, tout à l'heure, il m'a simplement entendu gratuit dans le lointain. Attends, on va laisser un petit blanc. Où est les stations qui iraient derrière sur le 19 en avant? Ah ben, de mon côté, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Ça passe toujours aussi bien, il n'y a pas de problème, comme tout à l'heure. Pourquoi tu as bougé, tu as changé de place? Ah oui, ok, ouais. Peut-être parce que j'ai mal mis le micro devant la bouche, et c'est peut-être pour ça que là tu m'entendais un petit peu plus mal. Ouais, c'est peut-être possible. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, ouais, ça fait une quarantaine de kilomètres que tu m'as dit. Ouais, pour le vu tes conditions de trafic, là, c'est vrai que là, c'est waouh. On voit que tu as bien fait l'installation, quoi. Ok, attends 2 secondes. Ouais, j'entends gratuit derrière, en avant les stations. Bon, c'est pas grave, ça doit être d'autres QSO là qu'il y a dans le lointain. Ouais, bon, ça m'a juste fait monter un petit peu le bruit là comme ça derrière, ce qui m'a permis de sentir qu'il y avait de l'activité dans le lointain, mais autrement non, c'est bon. On doit pas, apparemment, on doit pas trop se déranger, quoi. Mais au bruit qu'il y a derrière, je sens bien qu'il y a de l'activité. Hein. Mais c'est beaucoup trop loin de mon QTH. Puis en plus de ça, bon, je suis à quoi? Je suis à 50 km de Bordeaux. Je suis un peu loin de ce côté-là pour entendre les stations qu'il y a de passage là, sur la rocade et tout. Le pire sur Bordeaux, pour moi, c'est la rocade Est. Elle est complètement encaissée. Donc à chaque fois, quand il y a les 1000 pattes qui passent de ce côté-là et tout, je les perds très vite. Mais là, en tout cas, là, tu es loin, toi, de... Attends, en plus, toi, là où tu es assez isolé, en plus. C'est... t'aurais tout intérêt à avoir un poste multimode. Ah, t'as dû avoir une petite montée de QRM de ton côté, j'imagine. Ouais, je disais que, vu là où tu es, isolé comme tu es, tu aurais plus intérêt à avoir un poste multimode. D'autant plus qu'en ce moment, là, ça fait déjà 2 jours, là, qu'on a de la propague. Et avec les départements français, la Belgique, là, un peu tout le tour là, qui passe là, de notre côté, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au niveau au niveau des stations fixes, la majorité sont sur des cas métriques. Hein. Et je n'échappe pas non plus, hein, puisque j'en ai un aussi. Hein.
Et au niveau du mobile, eh bien c'est le CRT 7009 que j'ai, avec comme antenne une Wilson 5000. Ah, j'en suis pas mécontent, ça passe bien. Bon, entre les deux, il y a un petit quelque chose qui permet de pousser, de donner un petit peu la main, histoire d'être à peu près égal avec les stations fixes. Mais bon, autrement, j'en suis pas mécontent. Hein. Attends, je suis en train d'installer le pied pour poser la caméra dessus, car là, ça commence un petit peu chiant de garder comme ça le bras tendu. Ok, voilà, c'est bon. J'ai posé la caméra sur le pied, comme ça au moins là j'ai les mains libres. Ouais, alors, mais c'est que là, j'étais, ben, comme tu vois sur les caméras, hein, sur les vidéos, je veux dire, là, j'ai tout un petit bidouillage, là, au niveau, là, côté caméra. Côté push, en plus de celle que je braque sur le poste, j'ai l'autre que sur le tableau de bord. Côté QRA, j'en ai une qui est braquée sur le poste, l'autre qui est braquée sur moi, mais bon, là, pas aujourd'hui, là, j'ai pas envie. La deuxième, elle est éteinte. Mais bon, c'est pas grave. Là, je suis en train de continuer là, à filmer là, pour que tu vois un peu ce que ça donne. Et bien, pour les autres stations qui sont qui regardent justement les vidéos, qui sont sur les réseaux sociaux, et bien, comme vous voyez, rien ne sert de rester sur les SUP en BLU, attendre que la propague arrive. On peut profiter des QSO pendant ce temps-là en AM et sur le 19, comme là en ce moment. Évidemment, on est sur la fréquence d'appel, mais bon, on ne dérange pas grand monde. Et ça permet de mettre un peu d'activité dessus. Et de toute façon, tu es bien d'accord avec moi que si on dérange quelqu'un, eh bien pas de souci, on fera QSY et puis voilà. Mais là, on montre qu'il y a du monde sur le 19. C'est déjà ça là, le bon point là qu'on a de notre côté. Et si, dommage que, comment c'est déjà, Barracuda 56 n'est pas dans le coin, lui il est sur le forum, hein. Et parce que là c'est sûr que là il sauterait sur l'occasion. Ah ben alors là pour le coup il nous casserait les oreilles, là. Ah, chie trois coups. Ah mais c'est sûr, hein. Tiens, c'est du la propague a dû baisser un petit poil, puisque là, ce coup-ci, là, bon, tu passes toujours, mais avec un Santiago zéro. Hein. Ah, on dirait que la réception a baissé de ton côté aussi. Ouais, c'est ça. Là, je vais essayer de coller un peu plus le micro. Ouais, je disais que la propagation est en train de baisser un peu, car là, tu n'arrives plus qu'à un signal de zéro. Voilà, donc, eh bien, on va pas continuer plus longtemps. Là, on a bien profité là de ce petit QSO. Je vais te laisser, je vais vite là me mettre au travail là sur la vidéo, parce que là pour le coup là je suis parti pour un vrai petit montage vidéo. Hachis trois coups. Toi au départ c'était juste une vidéo d'une minute à l'arrache comme ça avec le téléphone. Et arrivé là, et bien voilà. Quand ça chatouille, ça démange. Et puis là on est parti, là on a carrément fait un bon petit QSO là bien sympathique là sur le 19.
Et donc pour les écouteurs derrière, il y a du monde en fréquence, on le confirme. Hachi, on en a eu la preuve. Allez, je vais te laisser. Et merci beaucoup pour ce QSO, les bonnes 1351 à toi. Et à la prochaine sur les ondes ou ailleurs. Ok, merci. Les 73 retournés, ben je vais m'y coller là de suite. Les 73 retournés, ouais, normal. Là, en ce moment, la propague est surtout en BLU, du côté BLU, je vais dire l'après-midi. Donc, oui, t'as bien raison d'en profiter du côté de la M. Merci, bye bye. Salut, Rémi, à la prochaine. Merci, à plus. Eh ben voilà. Ça, c'est sympa. Ah. J'ai entendu un retour bip. Hop là, le voilà à nouveau. Ça bouge. Il y a du monde là. Alors quand la propagande est assez forte, ici sur le canal 6, c'est les Américains qu'on entend. Et là, c'est la vraie cour maternelle. Il y a des vidéos sur Internet qui traînent justement sur le canal 6. T'es. Là aussi, il y a du monde. Ouais, exact. Attends, là, c'est pas du tout de prémédité. Je suis en train de faire un tour de galette, là. Et là, je découvre que sur le 8, ouais, il y a du monde. Allez. Alors ça, c'est le canal habituel des routiers de la Dordogne. Il faut tous les jours la navette vers Bordeaux. Ici, et là, c'est les Charentais. Là, il y a quelque chose. Non, on n'entend plus, c'est trop QRP. Là, normalement, il y a des habitués. Ici, c'est pas gagné. C'est les habitués. Il y a même une carrière qui est installée là, qui est du côté de Blanquefort. Alors, je suis déjà à 50 km de Bordeaux. Blanquefort, c'est au nord de Bordeaux. Donc là, oui. Ça m'étonnerait qu'on entende quoi que ce soit là. Trop loin. Ici, j'ai remarqué qu'il y avait du monde aussi. Pas aujourd'hui. Enfin, pas la seconde, je veux dire.
Qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est hallucinant comment c'est devenu calme côté QRM. Putain, je peux quand même pas dire que je suis content d'avoir un compteur Linky, c'est pas possible de dire ça. Quoi. Ça serait une aberration. Par contre, là, oui. Quand j'avais le filtre, il y a. Mais c'est. Avant, j'avais, ouais, 5 points de QRM. Suivant les horaires, évidemment. Là, on voit bien qu'il y a de la mitraillette. L'île de la Réunion. Oui, 73, l'île de la Réunion du sud-ouest de France. Il y a l'île de la Réunion et l'autre OM, je sais pas. Ah. Un très bon signe ça pour tout à l'heure.